le nombre d'électrons détermine la nature du corps. L'un des rares corps est libre de se désintégrer. À Hiroshima comme ailleurs, les souvenirs finissent en enfance. Et si vous passez un jour par le parc de la paix, n'oubliez pas de vous faire photographier à l'endroit exact où voici 15 ans, une certaine bombe a éclaté. Donc, il s'agit des explosions de la centrale de Fukushima. Ça ne fait pas des souvenirs. Ça ne fait pas des souvenirs. Aujourd'hui, à l'intérieur de ce gros tube annulaire, une centrale est une phase de plutonium nécessaire. Oui, personne ne peut le faire. On est désormais dans un cycle infernal. Le quatrième vont frapper un autre noyau et libérant une nouvelle somme d'énergie. La pile contient des cartouches d'uranium émis sort et ne trouve plus d'uranium à désintégrer. Mais si deux volumes d'uranium inoffensif sont précipités l'un contre l'autre, tous les neutrons font mousse, la réaction s'emballe et c'est tout fini. Le plus grave, tous ces processeurs ont mis en œuvre la mort et la mort. L'agence atomique internationale de Vienne l'autorité elle-même.